le 9 avril, comme Jean-Paul Belmondo. Alors, préférez Waouh, Usuel, Hop Hop Hop. Le combat politique, le combat des convictions, et puis le combat pour la culture, donc je suis sûre qu'elle peut changer le monde. Oui, si elle est menée par des jeunes, par des femmes, avec une nouvelle offre qui soit vraiment sincère et éthique. Quand je vois des élus qui font des choses remarquables, originales et vraiment tournées pour l'intérêt général, j'adore. En 2009, j'ai fait un gros truc pour la journée de la femme. Alors j'ai fait allonger 200 femmes dans un parc et ça s'appelait Femmes allongées. Et l'idée, c'était de montrer qu'elles étaient debout, là, les pieds bien dans le sol. Joli paradoxe et je suis assez fière. Ouais, faut à la fois être très humble, très très humble, et puis à la fois faut avoir envie de conduire le bus, quoi. Il faut donc être un peu sur le devant. Ah, des fois j'ai des coups de mou, mais quand je regarde les commentaires sur Facebook, sur moi ou sur d'autres d'ailleurs, ça m'anéantit, ça me rend triste, mais bon, je regarde plus trop. Indiscutablement, 2008, la victoire contre le Front National, et 2011 aux élections départementales, et puis là, récemment, quand j'ai été invitée à l'Élysée. Sans hésiter, le courage, l'audace, la passion. Oui, faut avoir le goût d'aller sur le ring, faut savoir mettre des gants de boxe et puis y aller, faut éviter l'entre-soi à tout prix, faut aller rencontrer les gens, faut les écouter et avoir le courage de les entendre. En ce moment, gros coup de cœur pour Édouard Philippe, le Premier ministre, que je trouve charismatique, intelligent, pragmatique, concret, plein d'humour, beau. J'aime la ferveur artistique de façon globale, donc j'aime tous les artistes. Mais j'ai une grande admiration pour le talent qui est toujours plus fou d'Edouard Baird. Mes trois enfants et les valeurs que j'essaye de leur transmettre, que j'ai reçues moi-même de parents qui étaient exceptionnels. Ah mais j'ai cru mourir quand j'ai sauté en parachute, mais je l'ai fait dans un pari contre moi-même pour me montrer que j'étais capable. Et je l'ai fait. Oui, je lis des correspondances passionnées entre Anaïs Nin et Henri Miller et certaines sont un petit peu érotiques. Et puis je repars à la découverte d'Aix-en-Provence où j'étais quand j'étais petite et donc je suis exploratrice. Une citation, pas vraiment une citation, mais une parabole, celle du petit colibri là qui va aller essayer d'éteindre l'incendie avec une petite goutte d'eau dans son bec et je suis sûre qu'il va réussir. Ah, je suis en train de faire un créneau et les gens s'arrêtent sur le trottoir et ils me regardent et ils attendent que ça rate et je hais ça. Toujours écouter Barbara. Dans 10 ans, je sais pas, chef des petits colibris. Je regarde mon téléphone et je vois que j'ai des petits SMS gentils. J'adore. Bah vous savez, quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, c'est pour les autres que c'est difficile. Et bah quand on est con, c'est pareil.